Shalom, famille Vases d'Honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église Vases d'Honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix. Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Cène. Assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Cène, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine venir la déposer à l'église Vases d'Honneur située à Angrais 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est. Le « je suis », celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le « je suis », celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le « je suis », celui qui ne t'abandonnera jamais. Le « je suis », celui qui marche à tes côtés. Le « je suis », celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le « je suis », celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le « je suis », celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le « je suis », celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le « je suis », celui qui ne change pas. Le « je suis », celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le « je suis », celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Nous pouvons pousser des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare dans le psaume 97 au verset 9, la Bible dit que toi l'Éternel, tu es le Très-Haut. Oui, tu es souverainement élevé au-dessus de tout Dieu. Oh, alléluia, notre Dieu, tu es élevé.
tu es élevé. Sois élevé au-dessus de tout Dieu. Seigneur,
te faisons allégeance. Car tu es notre maître, nous nous prosternons. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous voulons nous prosterner devant le roi et reconnaître sa majesté, sa suprématie, reconnaître sa royauté, reconnaître sa divinité, reconnaître que c'est lui qui règne, reconnaître que c'est lui qui est élevé, c'est lui seul qui est élevé, c'est lui le roi, lui seul est élevé. Et nous nous prosternons et nous jetons nos couronnes à tes pieds, Jésus, Jésus, Jésus. Nous nous prosternons, prosternons. Laissez ta la dadocha. Nous nous prosternons. Jésus, sans toi nous ne sommes rien, nous nous prosternons. Reconnaissant ta royauté, reconnaissant que c'est toi le maître, nous nous prosternons. Et ta véritable Dieu, nous t'adorons, ô Jésus, tu es élevé, élevé au-dessus de tout Dieu, et devant ton nom, aucun autre nom ne peut régner, devant ton nom, aucun autre nom ne peut tenir. Alors Seigneur, nous voulons déclarer ce soir, oui Jésus, que tout autre Dieu disparaisse, et que toi seul tu règnes, et que toi seul tu sois celui que la terre loue, celui que les nations célèbrent, celui que les peuples adorent. Lui, Jésus, c'est toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Jésus, car tu as versé ton sang afin que les nations soient sauvées, que les peuples soient sauvés. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres dieux disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres dieux disparaissent. Hey! Que tous les autres dieux disparaissent. Que tous les autres dieux disparaissent. Car toi seul es le roi. Que tout ce qui, Seigneur mon Dieu, ne t'honore pas dans ce lieu, dans cet endroit, disparaisse, afin que toi, Seigneur, tu prennes la première place dans le trône de nos cœurs, sur le trône de nos cœurs. Que ce qui, Seigneur mon Dieu, ne t'honore pas,
disparaisse et que toi tu prennes toute la place. Seigneur, viens t'installer, viens installer ton trône dans nos vies. Nos vies sont à toi, Seigneur. Ce soir, nous venons te dire, viens prendre la place qui te revient. Viens prendre la place qui te revient. Que tout ce qui luttait avec toi, cette première place, que cela se taise. Et que toi, tu t'installes. Que les maux, Seigneur, les maladies, Seigneur, les obstacles, Seigneur, les esprits impurs, Seigneur, qui venaient lutter, Seigneur, dans nos vies, la place qui te revient, que ces esprits-là se taisent, Seigneur, et que la première place te revienne, que les inquiétudes, que les doutes, Seigneur, ce soir, se taisent, et que toi, tu prennes la place. Viens et installe-toi. Viens et installe-toi, Seigneur. Ce lieu est à toi. Cet endroit est à toi. Cet instant est à toi. Viens et installe-toi. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et dire au Seigneur, viens prendre la place qui te revient. Dans ma vie, viens prendre la place qui te revient. Dans ma maison, viens prendre la place qui te revient. Dans ma famille, viens prendre la place qui te revient. Dans mes circonstances, viens prendre la place qui te revient. Seigneur, je t'accueille et je te reçois dans mon cœur et dans ma maison. Je te reçois dans ma vie et dans mes circonstances. Ce soir, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, d'autres personnes que toi. Je ne veux aucune autre présence si ce n'est la tienne. Seigneur, viens et installe-toi. Viens renverser les forteresses qui jusqu'ici ont résisté. Viens, Seigneur, renverser les hôtels qui se levaient et qui se dressaient contre toi dans ma vie. Viens ce soir, nous t'appelons, je t'appelle, Seigneur. Et que tous les autres dieux se taisent. Et que toi tu t'installes. Que les portes élèvent leurs linteaux. Et que toi, le roi de gloire, tu fasses ton entrée. Viens et installe-toi. Ce moment est le tien. Ce temps est le tien. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que toi tu sois élevé à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous voulons te recevoir, Seigneur, avec des acclamations et des cris de joie, des chants d'allégresse, parce que tu as fait ton entrée. Et parce que l'ennemi s'est affaissé, nous voulons accueillir ta sainte présence, accueillir ta douce présence, accueillir ta magnificence, accueillir ta puissance, accueillir ta grandeur, accueillir ta splendeur, te dire combien nous sommes joyeux de venir dans ta présence. Nous savons qu'il est impossible de venir dans la présence du Dieu très haut et repartir tel que nous sommes venus. Nous venons avec des chants d'allégresse parce que nous avons l'assurance que rentrant dans ta présence avec des maux, avec des popos, avec des maladies, nous ressortirons soulagés. N'as-tu pas dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Ce soir, Seigneur, nous venons en t'acclamant parce que nous savons que nos fardeaux resteront à tes pieds. Tu nous délivreras et nous nous t'élèverons. Béni sois-tu, Seigneur, et béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Quelle grâce de se retrouver dans la présence du Seigneur. Quelle grâce. Si tu n'es pas seul dans ta maison, dis à ton voisin, quelle grâce, quelle grâce. Je suis favorisé d'être admis comme ça dans la présence du roi des rois, de l'être le plus élevé qui soit, du tout puissant, de celui qui dit, et la chose arrive, quelle grâce, alléluia. Et quand on vient dans la présence d'un tel Dieu, d'une telle puissance, on ne peut qu'être dans la joie. Alléluia. Alors on va encore ensemble manifester notre joie à notre Seigneur. Nous allons acclamer en espérance de ce qu'on va voir et entendre aujourd'hui encore des exploits et des prodiges. Alléluia. Et notre Dieu nous l'a commandé. Nous ne pouvons venir dans sa présence les mains vides. Alléluia. Nous ne pouvons venir dans sa présence sans penser à lui offrir, parce qu'en réalité, nous lui appartenons. Il a dit dans le psaume 24, « À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves.
Alléluia, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons pu posséder. En réalité, le véritable propriétaire, c'est le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et quand on vient dans sa présence, en fait, on vient lui dire que nous sommes contents de ce qui nous a fait la faveur, de ce qui nous a fait la grâce d'avoir des choses qui sont passées dans nos mains. Alors nous venons lui dire que parce qu'il a été bon pour nous, nous venons lui donner en réalité ce qui est à lui. Nous venons lui exprimer notre reconnaissance d'avoir fait passer ces choses dans nos mains. Nous venons lui apporter nos offrandes et nous venons lui apporter nos dîmes. La dîme, c'est les premières pensées que nous avons quand nous recevons quelque chose pour dire, Seigneur, tout appartient. Et parce que tu as permis que nous puissions avoir un temps les biens que tu as mis dans nos mains, nous venons avant toute chose les apporter devant toi. Et nous lui apportons donc le dixième. Il aurait pu tout nous demander, mais nous lui apportons le dixième en signe de consécration pour lui dire, vraiment nous te sommes reconnaissants. Et ce soir, nous venons apporter à notre Seigneur l'expression de notre reconnaissance au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Alors si on a cette possibilité, nous allons suivre les instructions qui se présentent à l'écran et apporter l'offrande à notre Seigneur par les moyens mobiles, par des virements, par des transferts, ou tout simplement en mettant cette offrande, cette dîme dans une enveloppe et venir nous rendre donc au centre Kodesh, au siège de l'église pour apporter nos offrandes. Ensemble, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur dans la célébration, dans la joie. Dieu nous bénisse. Tu déplaces ces montagnes, tu fais.
croit, à celui qui croit en toi. Nous sommes, nous sommes reconnaissants, car tu es, car tu es. Tu déplaces, tu déplaces, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, tu fais des merveilles. Rien n'est impossible, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as encore dit dans ta parole, en Jean le chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et tu as aussi dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Seigneur, c'est auprès de toi que nous sommes désaltérés. Quand nous avons soif de santé, auprès de toi nous trouvons la véritable santé éternelle. Quand nous avons soif de guérison, auprès de toi nous avons plus que la guérison. Nous avons la guérison physique, guérison de l'âme et guérison de l'esprit, à cause des fleuves d'eau vive, des sources d'eau vive qui viennent du trône. Et nous voulons, Seigneur Dieu, ce soir aspirer à ces sources d'eau vive, parce que tu es l'eau de la vie. Je dis, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, mon Dieu, tu es intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, disons. Tu es l'eau de la vie, Jésus, tu es l'eau, et ton nom ne s'arrête jamais. Il y a toujours auprès de toi de quoi être abreuvé. Ton esprit, ton onction est toujours agissant. Ah, tu es. Depuis plus de 2000 ans, tu es parti à la croix. Ta puissance est toujours agissante, parce que tu as une eau qui n'arrête pas de tarir. Tu guéris encore les malades, tu sauves encore les vies, tu libères encore les captifs. Mon Dieu, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne tarris jamais, tu ne tarris jamais. Encore une fois, tu es. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es la source de l'eau vive. C'est de toi que vient l'eau vive, Seigneur Dieu. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Nous venons à toi, Seigneur, ce soir, pour avoir la vie qui vient de toi. Tu ne tarisses jamais. C'est pourquoi inonde, inonde mon cœur, 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 inonde ma vie. Inonde ma vie, inonde ma vie, oh, inonde ma vie, 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 inonde ma v
de ma vie. Toi Dieu qui reste dans de ma vie. Toi qui es levé au-dessus de tout. Source de restauration. Restaure ma vie. 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 Mon Dieu, conduis mes pas. J'ai besoin de toi. Dirige-moi sur ta voie. Seigneur, conduis mes pas. Mon Dieu, je marche par toi, je conduis mes pas, dirige-moi, si je tombe, relève-moi. Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, restaure-moi. Ah, conduis mes pas. Mon Dieu, conduis mes pas. Shebara kemaye naideze. Rokanda riba beba soma kayabe. Shubarama kebraide sori kabraye. Seigneur mon Dieu, restaure ma vie, guéris ma vie, guéris ma vie, Seigneur, oui, guéris ma vie. Nous voulons t'acclamer, Jésus, nous voulons célébrer ton nom. Alléluia, alléluia. Renda baba shota raba bradas gloria anda bradas senderedigo. Faisons monter, monter. Alléluia. À nous la force, oui. La joie du Seigneur, oui. À nous la puissance, oui. Par son bras puissant, oui. À nous la force, oui. La joie du Seigneur, oui. À nous la puissance, oui. Par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, 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 monter un parfum de louange. Monter, monter, célébrer, célébrer notre adoration. Monter, monter, je veux monter vers toi. Parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le roi des rois. Quelqu'un acclame le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce culte du samedi, ce moment de miracle, ce moment de guérison, ce moment où tu nous visites, Seigneur Dieu, pour nous apporter guérison, restauration, visitation divine. Seigneur, j'invoque ta présence. Saint-Esprit, j'invoque ta présence. J'élève ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Parle-nous, Dieu grand, parle-nous, Dieu élevé, parle-nous, Dieu puissant. À toi soit l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Quelqu'un donne un bon. Amen. Quelqu'un donne un bon. Amen. Amen. Je te salue, je vous salue dans le nom de Jésus. Et je vous souhaite à tous la bienvenue au samedi des miracles. Samedi des miracles. Samedi des miracles. Je veux voir un miracle.
car je prie le Dieu d'air. Mon Dieu, c'est le Dieu d'air. Il est au-dessus de tout. Il fait des miracles. Tu es élevé. Le Dieu des prodiges. Mon Dieu des miracles. Dieu de l'extraordinaire. Pour samedi d'air. À droite, miracle de mon Dieu, miracle, 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 au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Soyez les bienvenus au samedi des miracles. Cette zone spéciale, ce moment particulier où le Saint-Esprit, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu élevé, nous visite. Amen. Visite tous ceux qui sont connectés en produisant des miracles dans leur vie. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est au-dessus de tout, Dieu est merveilleux. Il est le créateur de tout ce qu'il y a autour de toi. C'est notre Dieu qui a fait l'infiniment grand. Ces étoiles si éloignées, si belles, l'univers merveilleux dans tous ses détails, dans toute sa beauté. L'univers que tous nos appareils les plus puissants n'arrivent même pas à observer. Et quand on envoie des petits appareils dans le ciel qui vont à des vitesses extraordinaires, il leur faut des dizaines, des milliers d'années, quelquefois même des milliards d'années pour pouvoir toucher une étoile plus proche. Jamais l'homme n'y est arrivé. Jamais même on espère. C'est extraordinaire. Et Dieu a fait toutes ces choses. Il les a agencées. Il est aussi le Dieu qui est dans l'infiniment petit. Il a mis de l'ordre, des lois dans les atomes, dans les molécules, dans des choses extraordinaires. Nous ne voyons pas les chromosomes. Il y a tellement de choses invisibles, on ne voit pas les chromosomes, mais il a mis de l'ordre de sorte que dans nos cellules, il y a des informations sur notre nez, notre forme, notre vie, tout ça. Dans l'infiniment petit, Dieu a mis de l'ordre. Dans l'infiniment grand, Dieu a mis de l'ordre. C'est de ce grand Dieu-là que je suis venu te parler ce soir. C'est de ce grand Dieu-là que nous parlons. C'est de celui qui a fait le ciel et la terre. C'est celui qui fait que tu regardes le soleil qui se lève avec précision et tu dis « Waouh, quelle belle journée !» C'est lui qui a fait toutes ces choses. C'est lui qui a fait les plantes. C'est lui qui a fait les rivières. Il est celui qui a fait les chutes d'eau et les montagnes. Il est celui qui a tout créé. Il est Dieu. Il est puissant. Il est tout puissant. Un seul mot de sa part, un seul mot de sa bouche et tout arrive. Tu me demandes où est Dieu, que tu veux voir Dieu, tu veux voir le Dieu. Dieu, et il est là, il a tout créé. Et pendant que j'étais en train de prier dernièrement, j'ai dit Seigneur, j'ai dit, j'aime ta présence, je veux avoir encore une plus grande sensation de ta présence. J'ai prêt à te voir. Il dit, mon fils, tu vois en fait, tu m'as déjà vu. J'ai dit, mais je t'ai vu comment? Il dit, je suis Dieu. Il dit, tout ce qui existe, tout ce que tu vois, c'est l'émanation de ma création. C'est-à-dire, c'est une partie de moi. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Si tu as une vision de moi, elle est toujours tellement limitée. Tu ne peux voir qu'une partie. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Je suis dans la biche qui met un enfant. Quand tu vois la biche qui enfante, tout ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma sagesse. Quand tu vois même quand tu vois un lion manger même une biche, ça te paraît violent, mais même tout ça là, c'est en moi. Là où il y a le bonheur, la joie, toutes ces choses-là, tout ce qui est agencé, tous ces petits détails que tu n'arrives pas à saisir, c'est moi. Dieu me voit. Mes perfections invisibles se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans la création. Je suis tout, je suis dans tout. Je suis Dieu, j'ai tout créé. Et quand tu regardes, tout ça, c'est trop grand pour tout ton cerveau. Tu vois toute cette grandeur infinie? Je dis oui. Et tu sais c'est quoi le mystère caché de tout temps? Les anges étaient toujours admiratifs de voir mon infinité. Je suis infini. Mais j'ai fait un secret. J'ai eu un secret. J'ai fabriqué les hommes. Être limité, limité dans le temps, limité corporellement, limité, tellement fragile, tellement faible. Alors les anges m'ont demandé, mais pourquoi, ô Dieu, as-tu créé dans cet univers de puissance un être si faible, un être si ignorant, un être qui ne sait rien, un être qui ne comprend pas, un être qui naît dans l'ignorance totale et qui grandit? Et les anges ont demandé à Dieu pourquoi. Et il dit, c'est ma sagesse. Les anges disent, mais quelle sagesse encore y a-t-il à fabriquer la faiblesse? Quelle sagesse y a-t-il à fabriquer le faible? Et Dieu dit, vous comprendrez. Et les anges ont commencé à observer pourquoi il a fait. Ils avaient suivi toutes les créations, mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils regardaient. Et je voyais ça dans ma prière. Et puis, ils n'ont pas compris. Dans ce tête-là, toute l'infinité de Dieu, ces univers éloignés, ces galaxies inimaginables, inatteignables, toute la puissance de Dieu, Dieu l'a pris, c'est comme s'il a fait un package, un condensé.
Parce que toutes ces choses ont été créées par la parole. Et il les a mis dans un homme. Ça choquait les anges. Quand ils ont vu Jésus descendre, Dieu dans son immensité, Dieu l'infini est rentré dans du fini. L'infini est rentré dans du mortel. L'immortel est rentré dans le mortel. Les anges étaient choqués. Comment est-ce que c'est possible? Et l'infini a marché au milieu de nous comme un homme mortel qui mangeait, qui buvait, qui dormait, qui avait des désirs. Ah là là, mystère de Dieu. Et comme le mortel devait être mortel, ce Jésus-là est mort. Et la puissance de Dieu s'est déployée. Et il a ressuscité d'entre les morts. Et il est devenu maintenant pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut. Par Jésus-Christ, les hommes les plus faibles, l'humanité qui a été créée faible, peut maintenant embrasser l'éternité, l'infinité de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu reçois Jésus-Christ, c'est le grand Dieu qui a fait les cieux des cieux, le grand Dieu qui a fait les atomes et les molécules, qui vient entrer en toi. Et là, ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, il est là au milieu de nous. Alors dites-moi devant ce grand Dieu, qu'est-ce que c'est que le sida? Qu'est-ce que c'est que le cancer? Qu'est-ce que c'est que les maux de tête? Qu'est-ce que c'est que la paralysie? Qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Qu'est-ce que c'est toutes ces choses? Qu'est-ce que c'est tout ce que ces médecins vous ont dit? Que sont-ils? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Rien du tout devant ce grand Dieu. Nous devons croire en toi. Ouvre les yeux de notre cœur, donne-nous de saisir ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous encore acclamer notre roi, notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, ma vie entière est pour te louer, est pour te célébrer, est pour dire que tu es grand. Accorde-moi la grâce et la sagesse de pouvoir dire, Seigneur Dieu, les choses que tu as mises dans mon cœur. Écoute, par ta parole, tu guérisses. Car le grand Dieu qui a fait l'infini est en même temps le Dieu plein de compassion pour les humains, plein d'amour et de compassion pour les humains. Déploie cet amour-là encore pour nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur pour les chants intimes et choirs. Vraiment, merci les chants. Merci à toutes les équipes qui travaillaient, qui vous privaient. Je vois plein de frères, de sœurs qui sont à la technique pour pouvoir capter ces messages, qui organisent leur temps, leur calendrier, leur emploi du temps pour être ici et toute la journée préparer ces choses, s'organiser, que mon Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Moi-même, humainement, je suis touché et je sais que notre Dieu n'est pas du tout indifférent de votre dévouement, de votre sacrifice pour que la parole de Dieu soit prêchée. Et par vos sacrifices, par vos prières, par vos actions, l'évangile de Jésus amène des yeux à la conversion. Vous êtes des ouvriers dans la moisson. Ne sous-estimez pas, frères et sœurs, ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Chacun en train de gérer le son, en train de toucher une corde de guitare, en train de dire juste un amen, en train de ranger une table pour la Sainte Cène. Vous êtes des ouvriers pour Dieu. Vous participez au salut de milliers de gens par votre simple geste. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous arrose de toute grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Alors ce grand Dieu si puissant a établi des règles. Souvent on se dit, mais il est tellement grand, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il fait les choses selon des principes, parce que sa parole, dans sa grandeur, sa parole est immuable. Sa parole est immuable. Il y a des choses qu'il a dites. Et parce qu'il les a dites, lui-même il va les honorer. Par exemple, si vous avez suivi mon propos de tout à l'heure, qui est le début de mon message, Dieu a dit dans sa parole que si Adam et Ève, c'est-à-dire si l'humanité mange le fruit interdit, ils vont mourir. Il leur a annoncé la mort. Ok? Amen. Bon, je vais laisser ce micro. Amen. Alléluia. Dieu a dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Donc, parce qu'il l'a dit que vous allez mourir, voilà ce qui va vous arriver, il en a été ainsi. C'est-à-dire, dès que Adam et Ève ont mangé, ils ont condamné en même temps, nous tous les humains, nous avons mangé le fruit interdit, l'interdit avec Adam. Et nous sommes donc coupables. Et la mort est rentrée dans le monde. Alors, la parole de Dieu est immuable. C'est-à-dire, Dieu maintenant, pour sauver les hommes, pour délivrer les hommes, d'abord, je rappelle que Adam et Ève ne se sont pas repentis. Peut-être que si c'était repenti, si nous qui étions Adam, nous étions repentis, alléluia, si c'était repenti, certainement que Dieu aurait fait grâce et miséricorde. Mais il n'y a eu aucune repentance, sinon juste des justifications.
Et ce qui s'est produit va se produire. Donc l'humanité a été condamnée à la mort. Et la parole de Dieu est immuable. Alors pour résoudre le problème de la mort, Dieu ne va pas annuler sa parole. Dieu va trouver la solution. Dieu va trouver la parade à la mort. La parade à la mort, c'est la résurrection. Alléluia. Donc Jésus, Dieu lui-même, en prenant la forme humaine, va subir ce que tous les humains doivent subir, c'est-à-dire la mort. Mais il va mourir en portant nos péchés à tous. Et en même temps, la puissance de Dieu va se déployer et Jésus le Christ va revenir à la vie. Donc, la parole de Dieu s'est accomplie. Si vous mangez, toute l'humanité, vous allez mourir. Christ est mort. Alléluia. Jésus-Christ est mort. Mais le fait donc de ressusciter est la parade. C'est-à-dire, Dieu a amené la résurrection. Maintenant, aujourd'hui, par cette puissance, toi aussi tu obtiens la résurrection de tes membres. Toi aussi tu peux obtenir la vie. La guérison divine est déployée à travers les nations. Et ce soir encore, Dieu veut opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Donc il faut savoir que chaque fois que Dieu établit des lois, chaque fois que Dieu établit des principes, c'est parce que quelque part, il y a d'autres lois qui ont été effreintes, que Dieu avait donné comme parole. Alléluia. Donc, tu vas me dire, mais je suis malade, j'ai telle difficulté. Pourquoi Dieu ne guérit pas d'un claquement de doigts? Pourquoi me demande-t-il d'opérer de telle ou de telle façon? Mais il te demande d'opérer de telle ou de telle façon parce que ce qui fait que tu es malade, ce qui fait que tu es malade est aussi une de ses paroles. Il a dit, si quelque chose était effrayant, s'il y avait une loi qui était déshonorée, voilà ce qu'en allaient être les connaissances. Et cela est immuable. Ça ne change pas. Est-ce que tu comprends? Ça ne change pas. Donc, quand Dieu veut t'apporter la miséricorde, quand Dieu veut te sauver, parce qu'il est Dieu, ce qu'il dit, il va le faire et il le réalise. Lorsqu'il veut t'apporter la miséricorde, il doit tenir compte de la condamnation qui existait déjà et il doit maintenant apporter la solution. C'est pourquoi il est très important que tu te focalises sur la solution, même si je vais revenir ici dans ce propos-là sur quelques éléments. Alléluia. Et entre autres, ce qu'on appelle les liens. Alléluia, les liens. Ça fait déjà donc trois samedis que nous sommes sur ce message. Deux grands types de liens mortels à briser. Deux grands types de liens mortel à briser, que Jésus-Christ brise. Alléluia. Et Jésus va parler donc de ces liens-là. Dieu va nous expliquer qu'il existe ce qu'on appelle dans le monde invisible des liens. Et Dieu va donner aux hommes de Dieu, Dieu va donner aux chrétiens le pouvoir de briser ces liens. Il va dire ceci à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, c'est-à-dire dans l'invisible aussi. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans l'invisible. Et c'est simplement ce que je veux appliquer. Alléluia. Je vais donc utiliser la parole de Dieu pour briser des liens. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur deux formes de liens et tout le corollaire, toutes les maladies et tous les problèmes qui sont attachés à ces liens. Alléluia. Alors, je vais reprendre là où je m'étais arrêté la précédente fois. Je vais demander aux éléments donc de venir. Et pour qu'on... Voilà, je t'ai présenté donc deux grands groupes de liens. Deux grands groupes de liens. Deux types de liens, mais ce sont en fait des groupes de liens. Et ces groupes de liens-là sont l'occasion pour Satan, pour les démons, de manifester des maladies et des problèmes dans la vie des humains. Mais en nous disant à nous de délier les captifs, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de traiter avec ces formes de liens et d'ainsi de te délivrer, de libérer les croyants des projets de Satan. Alléluia. Amen. Alors, voilà, il va se rapprocher comme ça. OK. Donc, notre frère qui est tout costaud là, il représente ce qui n'est pas bon. Amen. Donc, tout ce que tu peux imaginer de ce qui n'est pas bon. Amen. Ce n'est pas lui. Hein. C'est un très bon frère. Alléluia. Amen. Alors, et puis... le frère qui est là, donc Hervé, il représente une personne que Satan tient captif, ok? Que l'ennemi tient captif. Et je te parlais de différents types de liens. Je vais parler de deux grands groupes de liens. Mais je pense qu'il y a encore d'autres types de liens. Je suis sur deux grands types de liens. Et je t'assure que ces deux grands types-là résument beaucoup de formes de maladies et de problèmes qu'un homme peut avoir dans sa vie. Et aujourd'hui, on va appliquer les sagesses de Dieu de délivrance. OK, donc, le premier lien dont je t'ai parlé samedi d'affilée, c'était les liens de la mort. Le lien de la mort. Alors,
Donc voilà donc le frère qui est là, qui te représente, qui va essayer de marcher. Voilà sa destinée, voilà ses projets, et il va essayer d'aller, va prendre tes projets. Pap, et il arrive, il est bloqué. Toi, tu n'es pas un bon lieu. Voilà, il est bloqué. Ok, il est bloqué. On voit ici par trois liens. Il est bloqué ici. On voit trois liens, mais il est bloqué. Mais je vais parler de deux liens. Il y a deux cordes qui représentent un groupe de liens. Ok, il est bloqué. Amen. Alors, le premier qu'on a abordé, c'est le lien de la mort dont j'ai parlé le samedi dernier. Ce lien-là est constitué d'un ensemble de maladies, quand il s'agit de liens donc de maladies et de problèmes qui vont t'attirer vers la mort. Et c'est ce lien-là qui est représenté là. Il est très court. Je crois que même tu l'as laissé un peu trop long. Normalement, il est très court. Il ne peut même pas aller loin. Tu l'as trop laissé. Voilà. Voilà. Le lien de la mort est un lien vraiment... Satan, tu n'es pas loin du camp de Satan. Voilà. Voilà. Tu n'es pas loin du tombeau. Donc, vas-y vers ta destination. Le lien de la mort est un lien qui t'attire vers la destruction totale. Ok? Et pour illustrer cela, j'ai pris l'histoire de Lazare. Donc Lazare était mort. Il était mort. Donc le lien de la mort avait fini par accomplir son dessein. Et dans les liens de la mort, on avait inclus tout ce qui est maladie subite qui te condamne à la mort. Et on avait vu ce merveilleux témoignage de cette sœur qui avait été donc frappée d'une maladie subitement. Elle vivait sa vie correctement et puis subitement, elle a commencé à avoir des douleurs. Ses os ont commencé à se déformer. Elle est rentrée dans une forme de dégénérescence de son corps qui l'entraînait directement vers le tombeau. Mais Jésus-Christ a brisé ce qu'on appelle le lien de la mort. Donc des maladies comme la drépanocytose, les maladies immunodégénératrices et tout ça qui détruisent les cellules sont des liens de la mort. Le sida est un lien de la mort. Quand tu as le sida, tu planifies ta vie par rapport à la mort. Donc la mort rentre régulièrement dans ton agenda. Et ce lien-là, Jésus l'a brisé par des actes précis dont nous avons parlé. Il a fait ôter la pierre, c'est ce que je t'ai expliqué, il faut donc l'incrédulité, tout ça. Et puis il a déclaré une parole, Lazare sort. Alors donc sur la base de cette parole, je dis, alléluia, Hervé, tu es libre. Tu es libre. Donc on le délie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libre. Et il s'en va. Mais il est encore paralysé. Donc Jésus a dit, Lazare sort. En disant Lazare sort, Lazare est sorti des liens de la mort. Alors il y a des gens qui sont donc malades. Et je vous ai dit, le plus gros lien de la mort, c'est l'enfer. C'est la condamnation qui pèse sur tous les humains. Nous allons tous en enfer à cause du péché qui est en nous. Le péché est un lien de la mort. Le péché dans son ensemble est un lien de la mort. Amen. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché en lui-même, tu es lié au péché, c'est un lien de la mort. Donc la conversion à Jésus nous brise ce lien-là. Et maintenant, il y a les petits démembrements du lien de la mort qui sont les maladies mortelles qui frappent les corps. Donc quand Lazare est sorti, la Bible dit que Lazare était encore lié. Il avait des bandes tout autour de lui. Il avait aussi des bandes sur le visage. Ses jambes, la Bible dit ses pieds, ses mains étaient liées. Et c'est un peu le modèle là qu'on a ici avec notre frère. Donc, quelqu'un peut ne pas avoir de maladies mortelles, mais d'autres maladies peuvent venir fatiguer sa vie, alourdir sa vie, bloquer sa vie. L'empêcher, par exemple, la Bible dit que Jésus avait les pieds liés. Ok? Alors, donc je dis, suis-moi, on va aller vers ta destinée. Voilà vers là. Suis-moi, on va aller vers ta destinée. Celui qui te demanderait les faibles n'a pas trop de force. Voilà. Et il a une vision, Hervé a des projets, il veut suivre Jésus, mais en même temps, ce sont des liens de l'âme, ce que j'appelle les liens de l'âme. Ça le retient. Il y a des gens, par exemple, leur lien de l'âme, si c'est des chrétiens spirituels, ils veulent avoir une vie de prière, mais ils retombent toujours, ils n'arrivent pas à avoir une vie de prière comme ils le souhaitent. C'est comme si ils sont paralysés, ils sont bloqués, ils veulent travailler, il y a quelque chose qui les handicape. Ils ne sont pas en train de mourir, mais ils ne vivent pas comme ils auraient souhaité. Et le lien de l'âme lui donne un rayon d'action très faible. Si je dis, allons par ici, il peut tourner,
il peut tourner, mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Ils ont des projets, ils ont des activités, ils veulent commencer un commerce. Tu peux commercer entre ici, tout ça là, tu peux commercer. Il fait commerce. Il commence boutique, la boutique avance, hop, la boutique est bloquée. Il perd tout, il est découragé, il repart. Il dit la prochaine fois, Dieu va m'aider. Il reprend, bam. Là où s'arrête le lien, là s'arrête ses capacités. Alléluia. Et c'est ce qu'on va briser aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc, on n'a pas encore brisé. Hein. Amen. Vous êtes prêts, non? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on va lire deux passages de la parole. Deux passages. Voilà, on va lire Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Luc, le chapitre 13 à partir du verset 10. On fait la lecture. Ok, il est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est la fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Est-ce que tu m'entends? Dis avec moi. Satan tenait liée. Alors, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas la délivrer? Donc, Jésus-Christ, en disant à cette femme, redresse-toi, tu es guéri de ton infirmité. Donc, lorsqu'il a guéri de son infirmité, Jésus l'a déliée de Satan. Cette femme était liée. Et le lien était comment? C'était un lien handicapant. La dame était courbée. La posture courbée montre un certain handicap. Ça veut dire que quelqu'un qui est courbé est une personne qui n'arrive pas à avoir une certaine distance parce que son regard est constamment tourné vers le sol. Donc lorsqu'il veut regarder un peu loin, il fait comme ça. Quelqu'un qui a l'âme liée a une vision fragile, a une vision limitée. Un autre lien de l'âme, une autre image pour lien de l'âme, c'est l'histoire de Lazare. La Bible dit qu'il avait le visage voilé. Il y avait donc quelque chose qui était sur son visage. Lazare était totalement... La Bible dit, le mort est sorti, il avait les mains et les pieds liés. Donc, la dame, là, Jésus a dit qu'elle était infirme. Les liens de l'âme vous créent une forme d'infirmité. Elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut... donc être physique ou émotionnel. Donc physiquement, on peut sentir les effets du lien, des liens de l'âme. Et psychologiquement, intérieurement, on peut sentir les liens de l'âme. J'ai rencontré des personnes qui pouvaient rentrer dans une telle dépression qui les amenait chaque fois qu'ils travaillaient ou commençaient à rentrer dans un foyer, à quitter la maison, à quitter leur foyer, simplement parce qu'ils étaient trop abattus, trop découragé. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, Jésus-Christ te délivre. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te délivre. Sois libéré dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Amen. Il y a puissance, je vous dis, dans le sang. Je pense à ce chant en pensant le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, toutes les chaînes, quelles que soient les chaînes, briser les chaînes,
briser les chaînes, toutes les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi j'appelle ces liens-là les liens de l'âme? Parce que ces maladies-là, ces blocages émotionnels, comme je parlais de cette femme, dont l'infirmité émotionnelle, c'était l'angoisse, la peur. Dernièrement, je parlais à mon épouse, et puis on réfléchissait à certains de nos filles spirituelles. Une fille qui est toujours malheureuse. Jamais elle est contente. On lui donne les conseils. En Jésus, il y a la joie. En Jésus, il y a la paix. Mais elle n'arrive pas à trouver en elle la force pour célébrer Dieu à un moment donné. Et la tristesse crée en elle une infirmité. Et l'Esprit m'a dit, il dit, mon fils, tu vois que tu lui donnes des conseils. Quand tu as fini de lui parler, elle se lève, elle sourit. Elle dit, papa, aujourd'hui ça va aller. Mais le lendemain, elle revient avec les mêmes problèmes. Papa, ça ne va toujours pas. Tu dis, mais ce qu'il dit là, tu ne comprends pas. Il dit, mon fils, c'est un lien. Il y a quelque chose qui ramène son âme dans la mort. Et ça, c'est le côté psychologique. Donc, dans mon message et dans la libération que nous allons développer, je vais toucher parallèlement des problèmes d'ordre physique et des problèmes d'ordre émotionnel, d'ordre intérieur. Que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Que Jésus enlève toutes ces infirmités. Amen. Alléluia. Oui, des gens qui sont dépressifs, qui font toujours des angoisses, qui sont toujours malheureux, qui sont toujours tristes, sont malades. Ils sont liés par un lien de sang, par un lien de l'âme. Et je t'ai dit le samedi dernier que la Bible dit, on l'a vu dans plusieurs passages, que l'âme, Deutéronome 12, 23, Lévitique 17, 14, que l'âme est dans le sang. Donc quand on parle de lien de l'âme et de lien de sang, ils sont étroitement liés. Amen. Je t'ai dit ceci. Alléluia. Le sang, on va toucher deux éléments en particulier pour que ces chaînes-là tombent définitivement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, écoute-moi très bien. La solution à tout ce qui est lien de l'âme, selon ce que je vais te décrire maintenant, à tout ce qui est lien du sang, la solution se trouve dans le sang. Mais dans le sang de Jésus. Amen. Alors, je te montrerai dans la parole de Dieu certaines conséquences. Quel type de travail maléfique Satan ou ton passé ou tes pères ou tes aïeuls ont posé comme acte qui amène dans ta vie certaines condamnations handicapantes et certaines maladies handicapantes. Mais la solution se trouve dans le sang de Jésus. Quelqu'un dit avec moi le sang de Jésus. Amen. Mais surtout, je veux que tu comprennes, ce n'est pas en tant que tel le sang de Jésus comme une prononciation, mais dans la foi. Il faut que tu aies la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix dans son sang. Alléluia. Tu vois, dans la parole de Dieu, il y a la foi dans le nom de Jésus. Il y a aussi la foi dans le sang de Jésus. Amen. J'ai commencé mon message en te disant, il y a des paroles que Dieu a données. Et il y a des paroles que Dieu a données. Donc, quand tu connais les paroles que Dieu a données et certaines paroles qui annoncent un type de condamnation, il faut que tu comprennes quel est le type de solution que Dieu amène. Comme Dieu a dit que si l'homme mange le fruit, il va mourir, il a dû envoyer la solution en amenant la résurrection des morts. Amen. Donc, quand l'homme ressuscite, Dieu ne contredit pas sa première parole. Dieu ne la contredit pas. Il contre la malédiction pour sauver les humains. Donc, il y a un certain nombre de malédictions et de bénédictions et de faveurs qui sont rattachées au sang. Et il se trouve que le sang, comme je te le dis le samedi dernier, est une mémoire. Le sang est une mémoire. Le sang est une mémoire. Il a été mis par Dieu comme âme pour te rappeler, pour que les victoires de tes pères soient tes victoires, pour que les bonnes choses que tes pères ont acquises soient aussi dans ton héritage. Tu n'hérites pas de tes pères simplement, quand on dit le sang là, ce n'est pas simplement un nez, des yeux, etc. qui se transite par le sang. La mémoire du sang peut transporter des espérances de vie,
peut transporter, c'est-à-dire dans votre sang, dans le sang, on peut avoir écrit pour une raison, pour une autre, peu importe l'origine, on peut avoir écrit à tel âge, tu vas tomber malade, tu vas perdre ceci, à tel âge, tu vas avoir le diabète, à tel âge, tu vas avoir la drépanose, c'est depuis la naissance, à tel moment, tu vas avoir ceci, à tel moment, tu vas avoir cela. Mais peu importe, vous savez, quand on rentre dans ces sujets-là, les gens sont là. Ah, je veux comprendre aujourd'hui la source de mes problèmes. Je ne veux pas que tu t'attardes sur la source du problème. Je veux que tu t'attardes sur la source de la solution. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais j'ai besoin de te dire, voici le problème et voici la solution que Dieu a donnée. Ceux qui ont la foi dans le sang de Jésus sont ceux-là qui considèrent la victoire du sang et qui célèbrent cette victoire. Ceux qui entendent parler de Jésus, mais qui ont la foi dans les liens du sang, sont des personnes qui passent leur temps à se remémorer ce que leur aïeul a fait, ce que leur grand-père a fait. Mon ami, tu ne peux pas te souvenir de tout ce que ton sang transporte comme condamnation. Mais si tu as la foi dans le sang de Jésus, il est puissant aujourd'hui pour te délivrer, pour te guérir. Alléluia. Je vais te donner, on va regarder une petite vidéo d'une dame qui est venue dans cette église à un samedi des miracles. Paralysée, rendue infirme, aveugle. Et l'esprit en me conduisant à prier pour cette dame, je ne vais pas dire directement au nom de Jésus, certes, je vais dire au nom de Jésus parce que le nom de Jésus, c'est celui qui couvre tout. Ok? Mais la prière que l'esprit va me conduire à faire est une prière basée sur le sang. Basée sur le sang. Parce que le Saint-Esprit me conduisant, il va comprendre que non, son infirmité, cette femme avait perdu la vue, elle ne voyait plus. Cette dame qui travaillait donc a été frappée. Il y avait en même temps dans sa vie donc un lien de la mort, mais il y avait aussi des liens relatifs au sang. Son sang avait physiquement le diabète, mais ça entraînait la cécité, cela entraînait l'infirmité, la paralysie totale. Mais regarde, on va voir cet instant, ce temps de témoignage. Amen. Est-ce qu'on peut le lancer? Seigneur, à cause de l'œuvre de ton sang, 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 à cause de ton sang, à cause de ton sang, Jésus, à cause de ton sang, Jésus, à cause de ton sang, ferme les yeux, à cause de ton sang, à cause de ton sang, à cause de ton sang, Jésus, à cause de ton sang. Père, Jésus t'a donné ta vie pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle soit libérée, pour qu'elle ait la vie. Non, attends d'abord. Pour que tu aies la vie, pour que tu aies la vie. La guérison est ton partage, la santé est ton partage. Je détruis les œuvres de Satan, je paralyse l'esprit de la mort. Tu t'éloignes d'elle au nom de Jésus. Je te condamne dans le nom de Jésus. Esprit de paralysie, ferme les yeux. Esprit d'aveuglement, esprit de cécité, je te condamne dans le nom de Jésus et je t'ordonne au nom de Jésus. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Que la guérison soit ton partage. Que la guérison soit ton partage. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Ferme les yeux. Reçois ton miracle. Braille soromara la clarianda brada. N'est pas faux. Braille soromara la clarianda brada. Soromara la clarianda brada. Oda brada soromara la clarianda brada. Soromara la clarianda brada. Reda brada sete de le brodo storianda brada. Raire storianda mama sete de le brodo. Raire storianda brada soromara la catara babro. Raire storianda brada soromara la clarianda brada. Raire soromara la clarianda brada soromara la catara babro. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Et puis donc juste après on va positionner, on va la voir maintenant. Des semaines après, voilà, venir sur l'estrade. Je crois que c'était un rendez-vous des champions pour dire ce que Jésus-Christ a fait. Donc, vous voyez sa maman et vous voyez la dame là qui est, voilà, qui est là en bas. Amen. Ma soeur est tellement contente. Hey. Mimi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Madame Kipré. Lily est ma cousine et amie. Sa fille était malade.
pendant 3 mois à peu près, je lui disais, allons prier. Vraiment, Dieu a fait des merveilles. Amen. Je devais voyager, je dis, comment je fais? Et la voix de Dieu me dit, mais toi, tu peux faire quoi? Confie-la à ton Dieu, et puis tu t'en vas, tu vas revenir, tu vas voir. Je suis venu avec elle le 12, je suis parti le 19. Je reviens après le 29, à peu près le 4, Amen. Le 5, je la cherche dans la salle. Je cherche sa chaise, plutôt. Dans la salle, je ne vois pas là. Je dis, mais elle n'est pas venue. Elle n'est même pas bien guérie. Elle va venir dire merci à Dieu. Elle n'est pas venue. Après, je tourne, je la vois en train de marcher. Marcher pour venir. Marcher. 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 Dieu m'a dit, dépose-la, va, tu viens, tu vas voir. Je suis parti, je suis venu, j'ai vu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. En tout cas, le témoignage est disponible en ligne. Donc, cette jeune dame a recouvré la vue. Le même soir, elle a commencé à marcher en boitillant et ses jambes se sont redressées, se sont affermies. Jésus l'a fait sortir de ce handicap. Amen. Et tu as ici un modèle, un exemple d'une condamnation à cause d'un problème de sang. À cause d'un problème de sang. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout lien de sang qui persiste contre ta vie, toute mémoire qui te condamne à être malade, à être bloqué, à être dans la misère, à être dans la pauvreté, toute mémoire satanique qui persiste dans ton sang, toute voix qui crie contre ton futur pour dire que tu ne vas pas avancer, tu n'atteindras pas une certaine dimension, toute condamnation contre ta vie qui est transmise par ton sang est brisée, annulée, détruite, anéantie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dis avec moi encore le sang. Dis avec moi le sang. Voilà, tu as vu un modèle de l'action du sang. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Parlons un peu. Déjà, qu'est-ce qui peut t'arriver dans une affaire de sang? Ok? Je t'ai dit donc que le sang peut transporter donc des choses que toi-même tu as causées, mais aussi des maladies qui viennent de loin, qui viennent de loin, au point d'effacer les effets même de ta foi. La dame qui était courbée, Jésus a dit ceci, et cette fille d'Abraham, vous savez, quand Jésus dit fille d'Abraham, il ne faut pas prendre cela à la légère. Rappelez-vous, aux Juifs, en Jean chapitre 8, ils ont dit, nous avons pour père Abraham. Jésus leur a dit non. Donc les fils d'Abraham, ce ne sont pas tous ceux qui descendent biologiquement d'Abraham. Mais c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Donc, quand Jésus appelle cette femme, elle était une fille d'Abraham, il n'est pas en train de dire qu'elle est une descendante des Juifs. Même si elle était le cas physiquement. Mais Jésus est en train de dire, c'est une femme qui croit, c'est une femme qui s'attend à Dieu, c'est une femme. Il dit, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée. Ne fallait-il pas la délier? Cet enfant de Dieu qui est là devant moi, que Satan tient lié, couché dans son lit, ne fallait-il pas qu'il soit délivré ce samedi? Ne faut-il pas qu'il soit délivré ce jour de libération, ce jour de guérison? Cette personne qui n'arrive pas à entreprendre, qui est bloquée, qui n'arrive pas à avancer, qui avance, tous ses projets sont détruits, tes projets qui sont détruits. Ne faut-il pas que Dieu te délivre aujourd'hui? Pendant que les pharisiens sont là, les docteurs de la loi, en train de regarder le détail, il y en a qui sont en train de m'écouter. Ne les écoute pas, ces agents du diable qui vont te dire quelle affaire du sang, le nom de Jésus est puissant, quelle affaire des guérisons. Les médecins ont dit, arrête ça mon ami. Les médecins ont dit ceci, les médecins ont dit cela. Non, nous parlons du grand Dieu. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Je te parle de ce Jésus. Je te parle de celui dont le sang a coulé. Parce qu'il y a trop d'accusations, trop de mémoires ténébreuses qui sont là dans ton sang et qui créent en ta vie des problèmes. Matthieu chapitre 23, verset 29, il est dit, Jésus parlait, il dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Donc note bien, pour répandre le sang des prophètes. Jésus dit au verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns et vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 35,
afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang de Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, et que vous avez tué entre le temple et l'autel, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Alléluia. Alors, quand tu vois ce passage, il est vraiment question d'une affaire de sang. Jésus parle du sang des prophètes. Donc, les parents des Juifs avaient tué des prophètes. Ce n'est pas eux tous, mais maintenant, en fonction de différents paramètres, ceux qui vont marcher avec Dieu, le sang va les accuser. Pardon, ceux qui vont marcher avec Dieu, ils seront exempts des accusations du sang. Mais ceux-là, comme les pharisiens à qui Jésus parlait, qui se comportaient comme leurs parents, c'est comme si le sang d'accusation était actif. Était actif. Pour une raison ou pour une autre, des mémoires ancestrales passées peuvent être réveillées dans le sang d'une personne. Peut-être pour des rancœurs, peut-être pour des amertumes, pour des problèmes. Donc des maladies, des condamnations, de pauvreté, des malédictions. Jésus a dit quoi à ces gens-là? Il dit, la malédiction, vous n'allez pas échapper à la malédiction. Vous n'allez pas échapper à la condamnation. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui vous réclame. Il y a le sang des prophètes. Vos pères ont tué les prophètes. Et vous aussi, vous êtes tombés dans leurs actions méchantes. Ce sang-là va vous réclamer. Mes amis, nous avons tous péché. Et nous avons tous commis des actes qui font que les erreurs de nos parents nous rattrapent aujourd'hui. Les manquements qu'ils ont commis. Souvent, lorsqu'on arrive sur le problème du sang, beaucoup de gens sont là, ils voient simplement les problèmes de leurs parents, de leur hérédité, tout ça. Mais il y a aussi la décision que tu prends dans le présent par rapport à la façon dont tu vas vivre, par rapport à la manière dont tu vas te comporter, qui détermine ta foi dans le sang de Jésus et non ta foi dans le sang de tes parents. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bref, je te conseille de suivre l'enseignement du dimanche où je parle de ceux qui se comportent avec le sang de leur père. C'est ce que j'appelais la maison des pères. Comment cela détermine leur échec dans leur futur et comment tu dois te départir de cela dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la première des choses, pour que le sang soit actif dans ta vie, le sang de Jésus soit actif, c'est que toi-même, tu dois libérer ton sang par la miséricorde, par le fait de croire en Dieu, par le fait que tu te restes rempli par le pardon et par le fait que tu crois dans Jésus, tu pardonnes aux gens leurs péchés, tu pardonnes aux autres les erreurs, tu ne laisses pas l'amertume dans ton cœur, tu ne laisses pas la colère, l'amertume, la jalousie. Pourquoi le sang de condamnation était actif? Tu veux que le sang de Jésus agisse? Tu veux qu'il libère ton esprit, l'esprit de blocage? Première des choses, toi aussi pardonne. Toi-même n'active pas dans ton propre sang. Donne ta vie à Jésus pour recevoir le pardon de tes péchés. Amen. Et Jésus nous a donné cette belle illustration. Le pasteur Gérard est revenu ce message le mercredi au rendez-vous des champions. Il y a deux rendez-vous des champions. Il a dit ceci parlant du sang de la miséricorde. Si tu veux que le sang de Jésus agisse, de la même manière que Christ te pardonne, toi aussi il faut pardonner. De la même manière que son sang te lave, toi aussi il faut pardonner aux autres. Et si l'amertume n'est plus dans ton cœur, s'il n'y a plus de colère, le sang de Jésus est encore plus actif. Si le sang de Jésus n'est pas actif, parce que toi-même, tu, délibérément, pendant que je vais commencer à briser les liens des sangs, tu ne pardonnes pas à un tel, tu ne pardonnes pas à un tel, tu ne pardonnes pas à un tel. Tu es rempli de rancœur, tu es rempli d'amertume, d'esprit de jalousie que j'appelle la mentalité de Lot, d'esprit... Je vais parler du sang de Jésus, mais ça risque de ne pas avoir un effet durable. Il faut que tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte, pardonne mes péchés et moi aussi je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Est-ce qu'on peut faire cette prière dans le nom de Jésus? Alors, tous ceux qui se sentent bloqués, qui se sentent paralysés par ce que j'appelais un lien de l'âme, si tu t'es reconnu dans cette descriptif des effets du lien de l'âme et du sang, alors tu te sens lié, tes mains sont liées, ton corps est lié, tu vas prier avec moi, tu vas demander à Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon, je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis. Je te demande pardon et je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne tous ceux qui m'ont blessé. Je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Si tu invoques le sang de Jésus, de la miséricorde de Dieu, tu seras toi aussi délivré au nom de Jésus. Et je viens dans le nom de Jésus. Amen. Donc, alléluia, on se met de profil toujours. Amen. Donc voilà notre frère, il peut arriver là. Mais quand il essaie de se déployer, donc retiens bien ce qui est plus court. Voilà, tiens-le bien. Voilà.
Donc, quand il est à côté, ça va, il arrive à entreprendre, il arrive à faire, il se promène avec les frères. C'est un fils d'Abraham aussi. Amen. Il est dans l'église, promène-toi dans l'église. Il mène des actions dans l'église. Il chante à la chorale. Il est zélé, il aime Dieu. Vous voyez la fille d'Abraham là? C'est une fille d'Abraham, un frère qui croit en Jésus, un frère qui aime Jésus, un frère, c'est un fils d'Abraham. C'est un fils d'Abraham. Mais il garde dans son âme. C'est pourquoi j'appelais les liens de l'âme. Lorsque un frère l'a blessé, ça veut dire normalement Jésus lui a pardonné. Jésus a dit il faut libérer. Mais comment un lien dans la vie d'un fils d'Abraham peut-il persister? Alléluia. Alors il garde dans son cœur chaque parole qu'il entend, chaque chose négative qui lui est dite, chaque critique, chaque blessure. Il calcule, il classe tel frère dans sa famille. Les liens du sang qui vont créer des blocages dans votre entreprise, dans votre projet. Rappelez-vous, celui qui n'a pas fait miséricorde pendant que le roi lui avait remis tous ses péchés. La Bible dit, on a mis sur lui le bourreau, on a mis sur lui et on l'a pris dans des chaînes, on l'a jeté en prison parce que lui-même, il avait jeté les autres en prison. Alors, fils, est-ce que tu pardonnes? Oui, je pardonne. Comme Jésus t'a pardonné. Alors, quand tu pardonnes comme Jésus t'a pardonné, le sang de Christ redevient actif. C'est ça la foi. Dans le sang de Jésus, le sang de la miséricorde. Alléluia. Et Dieu vient dans sa grâce. Au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, il veut partir. Mais il est encore bloqué. Il arrive à se déployer. Donc, il veut commencer à. Il arrive à se déployer. Il veut prendre sa main maintenant pour faire des business. Mais il est handicapé. Il y a une seule main qui arrive à faire du business, l'autre main n'arrive pas à prendre, donc les affaires tombent. Les affaires commencent, elles vont mieux, mais elles tombent. Il a l'impression qu'il est plus libre, mais il y a encore d'autres formes de blocage qui persistent. Dis avec moi encore le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la puissance de ton sang. Je vais dire ces choses, on va prier pour les malades bientôt. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 24. Pardon, avant de lire Hébreux chapitre 12, bon, on va lire Hébreux chapitre. Lisons Hébreux d'abord, Hébreux chapitre 9, verset 14, pardon. Avant Hébreux 12, 24, Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14 nous dit. Alors, là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas lire avec moi. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit ici que le sang de Christ, combien plus, amen, revenez un peu au début du verset, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc le samedi dernier, j'avais fait mention de ce passage. Le sang de Jésus est puissant pour rentrer dans ton sang. Car ta conscience est le point de jonction entre ton esprit et ton sang. Et le sang de Jésus, par un esprit éternel, est puissant pour aller entrer là-bas. Et la Bible dit, pour purifier ta conscience. Ça veut dire, quand on parle de purifier ta conscience, c'est toutes ces mémoires négatives qui souillent ta vie, qui paralysent ta vie, qui sont ancrées en toi, où il est programmé que tu ne dois pas te marier. Il est programmé que tes enfants vont mourir à tel âge. Il est programmé ceci. Il est programmé cela. Pourquoi? D'où cela est-ce que vient? On ne sait pas qu'est-ce que tes aïeux l'ont fait. On ne sait pas qu'est-ce que tes parents ont fait. Il y a beaucoup trop de choses. On ne peut pas rentrer dans tous ces détails. D'aller rentrer dans le sang. Mais le sang a transporté des informations. Il transporte des mémoires. Et la mémoire de ton sang a dit qu'à tel moment, le diabète, la paralysie, l'infirmité, la cécité ou des choses comme ça allaient arriver à ta vie. Et beaucoup de formes de maladies. C'est ce que nous sommes en train de briser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. Donc le sang de Jésus nous purifie. Amen. Hébreux maintenant chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 24. Allons d'abord au verset 23. Affiché Hébreux 12, 23. Bon, on cite de l'assemblée des saints, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes, parvenus à la perfection, virgule, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Je veux bien que tu retiennes la notion du sang de l'aspersion. Donc, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Tu te souviens le texte qu'on a lu précédemment, il dit, vous allez prendre, le texte disait aux pharisiens, aux méchants, hein, que vous allez prendre le sang de Abel jusqu'au Zacharie. Tous les prophètes qui sont morts, leur condamnation va tomber sur vous. Et je vous assure, frère, ce sont des choses qui sont actives de nos jours, où les sangs des condamnations travaillent. J'ai été dernièrement confronté à beaucoup de cas comme ça, à des morts subites. À des morts subites. À des morts subites. Des réclamations étranges. Des gens qui étaient allés dans un village et qui ont été sans pitié, qui ont tué des personnes. Et les personnes de ce village-là ont maudit le village voisin. Et ils ont maudit la famille de ceux qui avaient perpétré le massacre. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais les gens ont retenu ça dans leur mémoire. Et les petits-fils de celui qui avait tué, il avait une faveur. C'est que ses enfants réussissaient. Il lui-même, le petit-fils, transportait la richesse. Mais avant 60 ans, vers 40 ans, 45 ans, maladie étrange. Quelqu'un, un de ses frères assis à la maison, subitement problème de cœur. Un gars qui allait bien, boum, il tombe mort. Et la mort frappe dans la famille. Frère, la mémoire du sang. Donc il y a certains dont la mémoire du sang transporte la mort. Il y en a d'autres dont elle transporte des maladies. Mais la Bible dit, donc, cette famille dont je viens de parler tantôt, il y avait un sang de condamnation. C'est des villages. Un autre village, je n'ai pas dit peut-être innocent, mais des personnes, le gars rentrait dans le village, il a tué des coupables, il a aussi tué des innocents, dans sa colère. Et les personnes, avant de partir, ont crié un cri. Dernièrement, nous étions dans la ville de Séguéla, en croisade, il y a quelques temps de cela. Et avant d'y aller, une femme est venue me raconter l'histoire d'une malédiction qui fatiguait les habitants et les descendants des personnes qui avaient perpétré un meurtre contre un commerçant qui prospérait dans le village. Et un commerçant étranger qui prospérait dans le village, et les gens du village ont été remplis de jalousie. Et ils sont venus, ils ont surpris le commerçant, qui était quelqu'un de très bon de cœur, qui partageait, qui donnait son argent à beaucoup de personnes, mais ils l'ont tué. Et lorsqu'ils l'ont tué, juste par jalousie, pendant que le corps était là, la maman, le monsieur avait fait venir sa maman de leur village, il venait d'un autre pays. Je crois qu'il venait du Burkina ou du Mali. Les parents sont arrivés. La maman est venue, elle était venue, elle a vu qu'ils avaient tué son fils et elle a pleuré. Elle a sorti une malédiction. Elle a dit ceci. Si mon fils mérite cette mort, si c'est parce qu'il vous a fait du mal, si c'est parce qu'il est responsable de quoi que ce soit, que son sang retombe sur lui. Mais si vous l'avez tué juste par jalousie, par méchanceté, que son sang là, retombe sur vous et vos descendants et vous trouvez votre endroit. Et la malédiction commence à prendre. Vous voyez, il y a des gens qui vont naître 50 ans, 20 ans. Quand on parle du sang d'Abel, vous imaginez le sang d'Abel, ça date de quand? On dit le sang d'Abel, ça dit Abel, fils d'Adam. Ce n'est pas 2000 ans. Jésus dit que le sang d'Abel crie encore contre les méchants, contre les Caïens. Et tu peux être là dans ton présent ici, être victime. Comment tu t'en sors? Clé numéro 1, toi-même, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et pardonne. Tu vas te lever tout de suite pour marcher. Le diabète va sortir de ton corps. La maladie va disparaître. Elle va partir au nom de Jésus. Tu as vu cette femme-là qui s'est levée avec la puissance du sang de Jésus. Mais regarde ce que Jésus dit.
C'est pourquoi je dis, il ne faut pas trop t'attarder sur le problème. Regarde la solution de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit ceci. Le de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance, quand on parle d'alliance, Jésus a parlé de la nouvelle alliance. Il dit, est-ce que vous savez, vous rappelez la Sainte-Seine? Qu'est-ce qu'il dit dans la Sainte-Seine? Voici la nouvelle alliance en mon sang. Voici la nouvelle alliance en mon sang. La coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Il y a une alliance de sang qui rattache tous ceux qui croient en Jésus, qui marche avec tous ceux qui croient en l'œuvre de Christ à la croix. Vous pouvez vous appuyer sur le sang. Il y a une nouvelle alliance. L'ancienne alliance est vaincue. Elles peuvent crier. Mais on n'a pas dit que le sang de Jésus... Écoutez bien le passage. On n'a pas dit que le sang de Jésus fait totalement taire le sang d'Abel. Il crie plus fort. Ça veut dire que le sang d'Abel continue de crier. Il continue d'avoir des réclamations sataniques. Il continue d'avoir des réclamations. Mais le sang de Jésus crie plus fort. C'est ce que je t'ai fait savoir. Je dis, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu veux écouter? Parce que même si le sang de Jésus crie plus fort, que toi tu veux prêter ton oreille au sang qui accuse ta famille, au sang qui accuse ton village. Tu veux dire, attends, j'ai écouté. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi là-bas? On dit, pense au sang de Jésus. Toi, tu es sur le sang. Dans mon village, il y a quatre cases. Les parents ont fait ceci, les parents ont fait cela. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais il faut aussi savoir que même s'il y a un autel où du sang a été sacrifié, il y a un autel aussi, l'autel de la croix, où il y a un sang aussi qui a coulé. C'est une affaire de sang contre sang. Dans ton village, les gens ont pris des sacrifices. Ils ont enlevé ton slip, ils ont accroché pour dire que toi, tu ne vas jamais enfanter. Tu ne vas jamais faire ceci. Plusieurs fois, j'ai prié pour des personnes. Je voyais en esprit, surtout dans les villages en croisade, les hommes des jeunes filles. L'ennemi vient, les sorciers viennent. Ils prennent le sang de leur premier menstrue, qui souvent salit le sous-corps de la fille. On prend et les gens l'amènent pour lier les entrailles, pour paralyser par le sang, pour paralyser la vie de la personne, pour condamner la vie de la personne. Oui, tu peux décider de te souvenir de tout ce que les gens ont pu faire comme alliance avec le sang qui te condamne. Comme tu peux décider d'écouter le sang qui crie plus fort. Le sang qui crie plus fort. Le sang qui crie plus fort. Alléluia. Le sang qui crie plus fort. Amen. Et regarde ce qu'il a dit. Il a dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, il y a dans ton sang, dans notre corps, il y a un nouveau sang qui coule. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Pourquoi il est parlé de l'aspersion? L'aspersion, c'est le fait d'asperger, c'est-à-dire de spray. Ok? Tu libères. Voilà. Ça parle de l'invocation du sang. Ça parle de l'appel du sang. Tu vois? Il y a le sang qui est dans ton corps, mais il faut l'appeler. Il faut dire, par le sang de Jésus. Et la puissance dans le sang de Jésus. Les chants, vous allez venir. Il y a puissance. Tu vois, il faut appeler le sang. Lorsque tu as l'impression que les liens de sang veulent parler. Lorsque tu as l'impression que des maladies, que des choses héritées de tes pères, de tes mères, de tes parents commencent à être actifs dans ta vie. Lorsque tu as l'impression. Même en tant que chrétien, tu peux sentir cela. Même en tant que fils d'Abraham, tu peux le sentir. Mais quand tu le sens, ne dis pas, mais si je suis chrétien, ça n'aurait pas dû m'arriver. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, à cet instant précis, de réclamer la seconde alliance et de dire, non. La maladie qui veut arriver là, elle fait partie de l'autre alliance. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. Et le sang de Jésus crie plus fort. Le sang de Jésus crie plus fort. Et l'aspersion, c'est le fait que tu déclares. C'est le fait que tu proclames. C'est le fait que tu dis que tu crois dans ce sang. Et c'est la prière qui a sauvé cette jeune dame. Alléluia. Lorsque l'Esprit m'a conduit vers elle, il m'a dit, parle du sang. 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 Disons ensemble, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Alors, quelle que soit la maladie qui te lie, il y a puissance dans le sang de Jésus. Quel que soit le blocage qui te lie, il y a puissance dans le sang de Jésus. Quels que soient les obstacles, il y a puissance
Jésus, pour briser les chaînes, pour détruire les chaînes, pour changer la vie. Mon Dieu, ton sang est puissant. Jésus, j'invoque ton sang. Ah, il y a puissance, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance. Le sang de Jésus est tellement puissant. Brianda baba chere marala sotari babro. Raide soro marala glorianda brada sere marala be. Brianda baba sotara mabro do sotari babro. Brianda baba baba shekara marala sotara babra. Reda bradas glorianda bradas glorianda bra. Quel que soit la maladie qui est dans ton corps, Jésus, tu délivres maintenant. Le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang sur mon frère. J'invoque ton sang sur ma soeur. Jésus, ton sang est plus grand. Seigneur, ton sang est plus grand que le sang de ma qui nous accuse. Toi qui me suis en ligne, prie avec moi, parle avec moi, appelle le sang. Dis, Seigneur, je crois dans ta victoire. Je crois dans ton sang. Je crois dans la victoire. Ton sang crie plus fort que le sang qui me condamne. Ton sang crie plus fort que le sang qui me rappelle mes problèmes, les maux de ma maison, de ma famille. Brenda soro barala glorianda brada sere barala ke. Rekatarimba brada glorianda brada soro barala ke. Seigneur mon Dieu, nous t'invoquons Seigneur, ton sang est élevé, ton sang est plus puissant, ton sang est plus puissant. Par ton sang nous sommes guéris, par tes meurtrissures nous avons été guéris, par ton sang qui a coulé à la croix nous sommes guéris, par ton sang nous sommes restaurés et tu nous lies à une nouvelle alliance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Pendant que je délie ces liens. Le lien de la paralysie, de l'infirmité qui te maintient dans ce fauteuil. Le lien d'aveuglement. L'esprit de surdité. La maladie qui est dans ton sang, cette forme de leucémie. Cette destruction dans ton corps. Toutes ces maladies. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es délié. Tu es délié. Je me dresse aussi contre les blocages. Peut-être que physiquement tu n'es pas malade, mais c'est comme si ton âme est malade. C'est comme si ton sang transporte une condamnation. Ton ancien sang transporte une condamnation. Une condamnation qui te paralyse. Une condamnation qui t'empêche d'entreprendre. Mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix, à cause du sang de Jésus, Jésus a dit délié-le. Tu es délié. Tu es délié. Tu es délié, tu es délié, tu es délié, tu es délié. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber, je vois, je vois, je vois. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes de la sœur Ingrid, de la sœur Rebecca, je Sylvie, Korotum, Zungrana, Jériel, Chantal. Certains parlent de tristesse, d'angoisse, sous le cœur qui bat trop vite de maladie. Je vois les chaînes qui tombent. Marie-Pauline Guessant, Soku Irène, tension élevée, mal de tête, tension céphalée. Je vois les chaînes qui tombent. Je vois les chaînes tomber. Du mal à respirer avec une chaleur dans le corps. Éloué James, Beda Flavie, faible respiration, étouffement. Je vois les chaînes tomber au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Cas de maladie liée aux os, je vois les chaînes tomber. Marche difficilement pour Adélaïde, Marbois, les membres supérieurs et inférieurs se sont rétrécis suite à une maladie rare. Il a une poliomyélite, mais dans le nom de Jésus, je vois les chaînes tomber.
fruit. Les maladies de poliomyélite, d'infirmité sont des liens du sang. Mais dans le nom de Jésus, ils sont ôtés. Mpa Annie, Laurent, douleur au niveau du coude. Ghislaine, douleur dans le dos. André, déchirure du mollet. Louise, les muscles s'atrophient. Frédéric souffre de diverses douleurs. On n'arrive pas à trouver le mal. Asamoah, difficulté à marcher, grosse douleur au genou. Yao Kwame, colonne vertébrale déformée. Thérèse, enflement du genou. Mangoni, douleur paralysant la hanche, les jambes et les pieds. BD Cyril, mal de tête. Fracture du tibia pour Zugrana. Manuela, Thomas, Crocheret, Olivier, Marianne, Cassa, Véronique, Agnès Rouge, Joné, Esther, Naoué, Avanzino, problème de AVC, fragilité osseuse, déjà en plus de 40 fractures en 11 ans. Waouh! Au nom de Jésus, tu es libéré de ce lien. Libéré de ce lien. Côté gauche de son corps. Il y a un frère qui a dit fragilité osseuse, le frère Joné Mathieu. Déjà 40 fractures en 11 ans. Aujourd'hui, tu es délivré de ce lien. Tu es délivré de ce lien. Vous voyez ça? Ce n'est pas la mort, mais chaque fois, ses membres se brisent. Mais le sang de Jésus est plus grand que ce qui condamne tes os, qui a programmé cette malédiction-là dans tes os. Par la puissance du sang de Christ, le mal est effacé. Tu es guéri, Joné, au nom de Jésus. Vertèbre cassée au niveau du bas de la colonne vertébrale. Merci Seigneur Jésus pour ta puissance qui l'a guéri. Côte gauche, douleur terrible. Merci Seigneur. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Breda brada soro baralake. Raide soro marala glorianda brada soro baralake. Problème lié à la tête. Exploit. Khalil, Touré, Mounjani Nadine, Frédéric. Retard du langage, délire, hallucination pour certains d'entre eux, maux de tête pour d'autres d'entre eux. Estelle, très grosse chute de cheveux, donc perte de cheveux depuis le début de l'année. Carmel, nourrie par les sondes, perte de vue pour Thierry, pour Zéphirin, problème de vue aussi. Jésus, glorifie ton nom. Discours, imaginez donc quelqu'un qui se fait comme une démence. Retard du langage, merci Seigneur Jésus. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Problème de démence, problème de folie, problème lié à la tête, problème de retard. Dans le nom de Jésus, pour la sœur Nadia, pour David Emmanuel, pour Uriel Jonathan, pour Oyo Alexis, pour Olivier Emmanuel, Ami, Farel, Olivia, Berthe Alébé. Dans le nom de Jésus, tous ces troubles-là sont ôtés. Je vois les chaînes tomber au nom de Jésus-Christ. Brenda Sorobaralakla pour Georges, pour Stella Lolita, pour Frédéric, pour Marie-Ange, pour Mbouyou, pour Manuela, Jombi Hélène, Joseph, Nieka Marlene, Amena Marie, Fligier, Sarah, Maxime, Raide Sorobaralak, Lorian Dabra, Marilène, Félicité, Nika Marlene, au nom de Jésus. Je vois ta délivrance, je vois ta délivrance. Balongou, Karine, au nom de Jésus. Brenda Sorobaralake, Raide Sorobaralak, Lorianda Brada Sorobaralabre, Reta Brada Sorobaralak, Larianda Brada Sorobaralabe. Problème lié au sang. Vomissement, vertige, globule bas diminue. Donc tout ce qui est pronostiqué à HIV, douleur osseuse, dans le nom de Jésus. Pour Sidiki, Eve, Madi, Ren, Claire, Nebloa, Siné, Inès, Kwame, Milka, Jacqueline. Merci Seigneur Jésus, les chaînes tombent. Génis, ouah, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pour Draugo, le sang de Jésus, ton sang est merveilleux, ton sang est puissant. Pour Jeden, ton sang est puissant pour Angelo, ton sang est puissant pour Letton, ton sang est puissant pour Kant Mardoché, ton sang est puissant pour Hélène Bamba, ton sang est puissant pour Obé Marine. Jésus, ton sang agit. Pour JJ Alexandre David, Jésus, ton sang, ton sang. Ton sang agit en Dalvini, ton sang, mon Dieu, ton sang pour Avancino, ton sang, Jésus, pour Daniel Chris, pour Eliane, pour Jitelane, pour Ngambi, pour Steve Frank, pour Jennifer, pour Alexis, pour Willy, pour Kukambi, pour Reveline, ton sang, Jésus, ton sang, Rokatari Babrodos, Lorian Nabra, ton sang pour Kader, ton sang, Jésus, oh. Je vois les chaînes tomber,
Merci Seigneur Jésus pour ton chant qui arrive, qui agit dans la vie de Cornélie, de Mbengui, de Tachi, de Grégoire, de Elia. Pour ton sang Seigneur Dieu, qui les délivre de tous les problèmes liés au ventre, à l'abdomen, douleurs de ventre et autres. Merci pour Ngoran, pour Olivier, pour Marie, pour Dali Daniel, pour Ruth Brou, pour Gayoro Dosso, pour Toro Emmanuel. Seigneur Jésus, pour Kojo Michel, pour Noiseau Gisèle, pour Foyer Bernadette, pour Biarré Jaël, pour Eva Kossa, pour Véro Amissi, Jésus, manifeste ta grâce, glorifie ton nom. Renda Brada Soro Barala Clorianda Brada Sotari Babro. Pour Mbo Karistan Pascal, pour Laurette Awo, pour Zawi Carole. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce divine. Renda sa maladie liée au ventre. Renda Brada Soro Barala Kla. Maladie liée à l'appareil reproductif. Seigneur, j'appelle ton sang pour tous ceux qui n'arrivent pas à enfanter. J'appelle ton sang pour tous ceux qui ont des problèmes à leur partie génitale. J'appelle ton sang. Merci pour la vie de Brigitte, pour Marlène, pour Isaac, pour Bouka, pour Robert, pour Alphonse, pour Josiane Flore, Mayemba, pour Delali. Merci Seigneur Jésus pour Olivier, pour Baptiste, pour Marianne. Merci pour Sephora, Chloé, pour Yvette, pour Albis, pour Odette, pour Emmanuel. Merci Seigneur Jésus. Ton sang est à l'œuvre. Je vois les chaînes tomber pour Christelle, pour Gondjo, pour Thérèse, pour Diana, pour Odette. Renabra pour Yedoudan, pour Matou Mireille. Jésus, pour Jeannette Stella, Manchot Diana, Titseya, Ursula, Dani Stéphane, Grâce Léa, je vois les chaînes tomber, Jésus, au nom de Jésus, les chaînes tombent, mon Dieu, par ton bras puissant, les chaînes tombent. Renda Brada Sorobara la Conta Rababro, Seigneur Jésus. Pour Bertrand, pour Kadiana, pour Fofana, pour Ange Wilfred, pour Chloé, pour S.N., pour Agnès, pour Zougrana, pour Vanessa, pour Louise, Marie-Louise B, pour Rachid, pour Corinne, pour Patrick Conan, pour Olivier Goba, Jésus-Christ. Ronda Brada Sorobara la Clarianda Brada Sorobara la Bré. Ce sont des maladies liées aux problèmes respiratoires. Merci Seigneur pour ton sang qui a lieu dans leur vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et les autres cas divers. Seigneur, je crois dans la puissance de ton sang pour ses frères et ses sœurs. Merci pour ta grâce qui opère dans leur vie. Pour les boutons qui disparaissent dans la vie de Samoudouklou, pour Hélène, pour Jacqueline, pour Kayete Lina, pour Nadine, pour ceux qui ont des problèmes de cancer, pour Eliensie, pour Abalo, pour Sonia, pour Kant, Jésus, Jésus, ton sang est puissant, pour Berthe Soul, pour Jessie, pour Nadine Kumba, pour Boukaire, pour Olivier, pour Sonia, pour Ami, pour Lorraine. Merci pour ton sang, Jésus, qui opère. Merci, merci pour Manuela, pour Yvan, pour Elisabeth, pour Emmanuel, pour Jeden. Merci, Seigneur. Pour Ligen Lilikoun Jean-Pierre, merci pour ton sang, pour l'œuvre de ton sang, merci Jésus. Reda Brada Sorobara Lakla, pour Francesco Abbé, pour Conan Nathalie, merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Malanda Kwadjo, Françoise Oseyan Tsanga, Anne-Marie Pascal, Yannick, amen. Merci Seigneur Jésus. Alors si tu es connecté en ligne avec moi et vous tous qui êtes concernés, nous appelons le sang de Jésus. Seigneur, aucune condamnation n'est plus grande que ton sang. Aucune. Père, ta grâce et ta miséricorde dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que le sang de grâce, le sang de miséricorde, le sang qui brise les chaînes, le sang de la nouvelle alliance soit opérant dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je chasse les démons. Je chasse les maladies. J'ordonne à toute maladie maintenant de s'éloigner de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à toute maladie de partir maintenant. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende en toi et consume les œuvres des ténèbres. Tu es libre des œuvres de Satan. Tu es libre des œuvres du diable. Maintenant, à l'instant, quel que soit l'endroit où tu es, la délivrance commence à se manifester en ton corps. La délivrance commence à se manifester. Tu sens, je vois quelqu'un qui avait des boutons. Tu sens comme des démangeaisons partout. Et comme quelque chose qui est en train de couler, tu es guéri de ces irruptions cutanées étranges. Guéri de tes problèmes de ventre. Guéri de cette hémorroïde qui n'en finit pas. Guéri maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui sont délivrés. Les esprits impurs partent. Je vois des démons qui lâchent les vies. Je vois des démons qui lâchent les corps. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand le Seigneur finit la prière, il a dit cette phrase: déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Lorsque tu as été délié, il ne faut pas rester à la même place. Il ne faut pas rester à ta même position. Il faut que tu ailles. Il faut que tu avances. Alléluia. Il faut avancer. Amen. Amen. Tu vois, le mot, la Bible dit que le sang de Jésus, dans le texte qu'on a lu,
Il dit l'aspersion de Jésus. On peut avoir le texte, Hébreux 12, 24. Il dit, il parle de la nouvelle alliance. Dis avec moi, alliance. Tu sais, le mot alliance, le sang de Jésus qui est médiateur de la nouvelle alliance. Alliance, c'est le mot, ça vient du mot lié. Alliance. Amen. Ça parle de allié. Quand on dit quelqu'un est mon allié, ça veut dire nous sommes liés. Nous sommes liés. Voilà, donc ce texte-là aussi parle de lien. Et il dit que Jésus est le médiateur d'un nouveau lien. Donc on ne doit pas être simplement délié. Quand tu es délié des ténèbres, il faut être lié. Alléluia. Il faut te lier à Jésus. Il faut te lier à ta destinée. Il faut être lié au plan qu'il a prévu pour toi. Tu ne dois pas quitter simplement des liens. Tu dois aussi contracter de nouveaux liens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sinon, les anciens liens vont parler. Je t'ai dit tantôt que le sang de la condamnation n'est pas totalement éteint. Il crie, sauf que le sang de Jésus crie plus fort. Amen. Il crie, mais le sang de Jésus le dépasse. Le sang de Jésus est au-dessus. Donc, si tu ne vas pas t'allier avec le Christ, que tu restes à côté pour tourner, le sang de la condamnation va finir par dire, mais ce gars qui est en train de se balader là, qui n'est pas lié à Jésus. Donc, si notre gars ici commence à tourner, toi commence à préparer tes cordes, tu dis, il s'amuse, il n'a qu'à rester. C'est qu'il va voir. Donc, il va lui préparer une corde pour aller attacher ses pieds. Il va lui préparer une corde pour aller bien attacher ses bras encore. Et le sang même peut amener la mort. Donc, la mort va passer à nouveau. Il va détacher un nouveau lien pour... Voilà. Et la situation de cette personne va devenir pire. OK? Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de délier. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Et tout ce que vous lirez sera lié. C'est-à-dire que nous aussi, les chrétiens, on doit pouvoir lier. Mais lier à quoi? Lier à Christ. Lier au Seigneur. Lier à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on a délié Lazare, on a aussi enlevé le voile. Donc toi, tout le voile, c'est le masque. Bon, même si on est dans un truc, ça ne marche plus au nom de Jésus. Amen. Et avec ça, Jésus le prend. Alléluia. Et Jésus va t'amener dans une nouvelle destination. Suis Jésus pour avancer sur le chemin de ton destin. Sois lié à Jésus. C'est-à-dire quoi? Là où va Jésus, toi tu vas. Là où marche Jésus, tu marches. Suis Jésus. Sois lié à Jésus. C'est ça la nouvelle alliance. Amen. Quelqu'un qui n'est pas en train de suivre Jésus, c'est comme s'il n'est pas allié à Jésus. Alléluia. Jésus va dans un endroit, lui il n'y va pas. C'est une personne qui n'avance pas. Jésus va à gauche, il ne va pas à gauche. Jésus dit allons prêcher la parole de Dieu, lui il reste chez lui à la maison. Donc, il est sans lien. Et comme il est sans lien, son ancien propriétaire, la personne qui la tenait captive, va ramener une nouvelle captivité. Que cela ne soit pas ton cas dans le puissant et précieux nom de Jésus. Il y a encore d'autres aspects dont je parlerai pas aujourd'hui. Peut-être que le dimanche, le samedi prochain, mais le samedi prochain, on va prier sous un autre angle. Alléluia. Mais il y a d'autres aspects, comme j'ai dit tantôt, par rapport à ton âme, qui peut s'être tellement attaché à des personnes, tellement attaché à ton travail, que quand tu le perds, tu es tellement triste. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Jacob. Il était tellement triste du départ de Joseph qu'il a arrêté de vivre. Il y a des personnes, leur âme est liée à leur ancien mari, au gars qui a cassé leur cou, bien qui les a laissés partir, qui les a abandonnés. Il y a des femmes qui ont arrêté de vivre. Ce ne sont pas des liens de sang corporel, mais c'est émotionnel, ta vie est paralysée. Il faut que tu laisses le sang de Jésus venir te consoler. Alléluia. Et je t'invite, toi qui as des blessures émotionnelles de ton passé, s'il te plaît, ne manque pas le message de demain. Amen. Je traite ce sujet-là aussi demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la santé divine soit ton partage. Que la restauration soit ton partage. Tu es béni dans le nom de Jésus. La santé de Dieu en toi. La victoire divine est en toi. Dans le nom de Jésus. Tu recouvres l'usage de tous tes membres dans le nom de Jésus. Les blocages qui te maintenaient dans le passé, qui faisaient que tu n'arrivais pas à réaliser des choses, sont ôtés au nom de Jésus. Les démons sont en train de sortir de toi en masse. Tu passes à une autre étape. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. On peut acclamer très 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 fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le samedi prochain, j'espère qu'on va recevoir un témoignage. J'ai reçu un puissant témoignage cette semaine-là. Amen. Et j'étais même tenté de le lire, mais j'ai dit non. Je vais attendre que la personne même fasse la vidéo, qu'elle présente les radios de tout ce que Jésus-Christ a pu faire pour elle. J'ai ici encore des lots de témoignages. Amen. Mais je veux prendre le temps aussi dimanche, samedi prochain, d'avoir une section témoignages.
On a vu la vidéo témoignage, on a vu la vidéo témoignage de cette dame qui a été guérie. Mais je veux aussi qu'on retienne ce que Jésus a fait pour toi. De tous les noms qui sont là, plusieurs d'entre vous ont reçu, ont senti maintenant arriver leur guérison. Alors je vous invite vraiment à écrire à la rubrique témoignage, @vasedonneur.info, dire ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Mais si vous voulez aussi présenter des nouveaux cas, des cas de prière, n'hésitez pas. Allez sur notre site www.vasedonneur.org. Il y a un onglet sur ce site où vous pourrez inscrire votre sujet de prière. Si vous voulez que votre nom soit sur la liste du samedi prochain, allez sur cette page, allez sur notre site internet et inscrivez-vous, inscrivez votre sujet pour lequel nous allons prier. Donc pour les témoignages, c'est témoignage@vasedonneur.info. Et pour les requêtes, les sujets de prière, c'est www.vasedonneur.org. Il y a un feuillet là-bas qui va vous donner comment traiter avec cela. Amen. Amen. On va bénir le Seigneur pour ces frères qui m'ont aidé. Et on va rendre grâce vraiment à Dieu. Alléluia. Amen. Alors j'espère aussi que toi qui as suivi ce message, qui n'appartient pas à Jésus, qui n'est pas encore lié, qui n'a pas la nouvelle alliance avec le Christ, tu vas ce soir décider de le rencontrer. De le rencontrer, ce Sauveur, celui qui a un sens si merveilleux, celui qui a un nom si puissant, celui qui déjoue la science des hommes, parce que c'est lui qui l'a créé et il a fait plus haut que cela. Ce grand Dieu. Alléluia. Tu peux toi aussi lui servir. Amen. Alors je vais donner à chacun d'entre vous l'occasion, tout à l'heure à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de renseigner d'écrire ou de joindre les différents contacts et le scan qui sont présentés là. Amen. Pendant que nous allons maintenant faire nos offrandes, nous allons semer dans la parole que nous avons reçue, nous allons dire merci à Jésus pour le message, merci à Jésus pour la guérison. Alléluia. Il faut que tu sèmes. Amen. Pour dire merci. La Bible dit que du temps de la famine, Isaac a semé et il a moissonné au centuple. Alléluia. Amen. J'ai des témoignages ici de semences qui ont remporté au centuple. Une sœur qui a fait une semence de 300 000 a eu une moisson de 15 millions pendant le confinement. Là, je te parle, il y a quelques jours, elle a reçu 15 millions virés sur son compte. Elle était hésitante. Elle avait 300 000. Elle a fait cette offrande, elle a semé par la grâce de Dieu avec la foi. Il faut que tu aies la foi, que Dieu te convainc de dire merci au Seigneur pour quelque chose, pour la parole. Rends-lui grâce. Amen. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes. Amen. En suivant les indications donc, habituelles qui sont sur l'écran. Et faisons nos enveloppes pour ceux qui font des enveloppes. Et n'oublie pas de les ramener. Et utilisant les autres moyens. Je prie vraiment ceux qui ne font pas des offrandes pendant les cultes en ligne de changer d'attitude. Faites votre offrande. Amen. Pendant que nous apportons, nos seigneurs, nos offrandes de reconnaissance et pour honorer nos vœux aussi, nous allons suivre les bonnes nouvelles, les good news. Un soldat est toujours prêt pour le combat. Un missionnaire est toujours prêt pour la moisson. Alors, soyons prêts pour le go! Très bientôt, le 931 sera dans le centre de la Côte d'Ivoire. S'ordonne, pas maintenant au nom de Jésus! Semaine au mardi du mariage. Hommes, femmes, des différences à ne pas prendre à la légère. Rendez-vous sur notre page Facebook Coupe d'honneur à partir de 19h. Et désormais, suivez-nous sur notre page YouTube Coupe d'honneur. Des milliers de personnes meurent chaque jour sans connaître Christ. En tant que chrétien, nous devons agir. C'est pourquoi j'ai intégré le club de vie. Avec 10 dollars par mois, je soutiens l'évangélisation. Je soutiens le ministère Message de Vie. Alors fais comme moi. Inscris-toi sur www.messagedevie.org ou envoie ton nom et ton adresse au 225 97 100 par SMS ou WhatsApp. Ton don permettra à une personne de connaître Jésus et d'être sauvée des flammes de l'enfer. Au Club de Vie, nous communiquons la vie. Pentecôte 2020, lundi spécial de Pentecôte à Vase d'Honneur. Un moment où le Seigneur répandra son onction sur son peuple. Effusion, Joël 2, verset 28. Une nouvelle dimension pour la fin des temps. Effusion, lundi 1er juin 2020 à partir de 16h.
avec le pasteur Mohamed Salogo et comme invités spéciaux, le pasteur Ivan Castanou de l'église Impact Centre Chrétien et le révérend Steve Mansa de l'église charismatique Evangelic Ministry. Rendez-vous en direct sur nos pages Facebook et YouTube, Église Vase d'Honneur, et sur notre site www.vasedhonneur.org. Pentecôte 2020, l'effusion du Saint-Esprit. Qui a pu acclamer le Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles. Amen. Alors, l'information principale que tu as ici, c'est effusion. On a deux informations principales. Dis avec moi, effusion. Voilà, le mot effusion parle du fait que le Saint-Esprit se répand sur les vies. Alléluia, c'est un mot qui parle de la dispersion, de l'aspersion, du sang de Jésus du Saint-Esprit qui se répand. Et cela fait référence au texte de Joël 2:28 et de Acte 2, où le Seigneur dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Amen. Alléluia. Et ce programme spécial donc qu'on aura le 1er juin. Le 1er juin, nous allons avoir un programme spécial. Le 1er juin, c'est le lundi de Pentecôte. Nous allons avoir donc ce programme spécial appelé Effusion. Et pourquoi ce thème « Je répandrai mon esprit sur toute chair » Parce que bien sûr, c'est la Pentecôte, mais parce que Dieu a mis une chose particulière dans mon cœur. La Bible dit que les derniers temps seront difficiles. Il y aura des maladies, il y aura des calamités, il y aura des problèmes. La Bible dit que les gens seront très méchants dans les temps de la fin. Mais la Bible dit aussi, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc dans les derniers temps, il y aura des difficultés. Mais dans les derniers temps aussi, Dieu va équiper ses serviteurs pour être au-dessus de la persécution, au-dessus des crises. C'est pour ça que tu vois dans cette situation-là, parmi nous à Vase d'Honneur, il y a des gens qui ont eu des marchés. On a eu de nombreuses personnes qui ont eu du travail pendant cette période. La semaine dernière, une femme qui a fait des marchés pour son État, pour son pays, de près de plusieurs milliards. Tout ça, c'est la main de Dieu en plein confinement, tu vois. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a une onction spéciale pour les temps de la fin et il veut te la communiquer ce 1er juin. Je serai avec le pasteur Ivan Castanou et le révérend Steve Mensa. Et je suis en train de voir si possible aussi avoir d'autres intervenants. Amen. D'autres amis. Mais voici les orateurs qui sont convenus avec moi. Donc, pour le 1er juin 2020, à partir de 16h, c'est un programme exclusivement en ligne. Que Dieu te bénisse abondamment. Et la deuxième information sur laquelle je reviens, c'est les nouvelles dispositions de culte que nous allons prendre suite à la décision du gouvernement d'autoriser maintenant les rencontres de moins de maximum 200 personnes. Comme tu le sais, nous ne pouvons pas faire ce type de culte de 200 personnes ici parce qu'avec 200 personnes, on va faire peut-être 2 jours de culte, 2 ou 3 jours de culte si on veut faire les cultes, ok? Alors, donc les cultes en ligne vont continuer. Donc, comme maintenant tu prends le message en ligne, ce sont donc les cultes seront là en ligne. Amen. Voilà. Mais on va permettre à tous nos frères et sœurs qui ont des difficultés de connexion ou de suivre les cultes à la radio, on va leur permettre de venir physiquement ici à Kodesh pour des personnes pour moins de 200 personnes. Voilà. Alors, pour être sûr qu'on ne va pas dépasser les 200 personnes, il faut encore aller sur le site www.vasehonneur.org et vous enregistrer ou venir physiquement voir au bureau de Kodesh et vous enregistrer, vous faire programmer pour un des cultes qui sera fait. Amen. Donc, il y aura une diffusion samedi et il y en aura aussi dimanche par rapport aux horaires que vous voyez ici sur votre écran. Alléluia. Donc, je vous ai invité donc, à vous inscrire et on ne pourra donc prendre dans cette salle que 200 personnes. Amen. Que 200 personnes à chacun de ces cultes. Et dès que ça finit, vous libérez pour que les 200 autres personnes reviennent. Mais avant de venir, il faut que tu aies reçu ton go. C'est-à-dire que tu te sois inscrit, on te dit c'est bon. Amen. On te dit c'est bon. Et l'inscription, c'est en ligne. Alléluia. Ou bien physiquement, tu te déplaces pour venir au centre Kodesh. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons maintenant recevoir toutes les nouvelles personnes. On appelle les nouveaux en ligne, c'est ceux qui sont connectés à ce culte-là pour la première fois et c'est aussi ceux qui ont décidé aujourd'hui de donner leur vie à Jésus. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue avec notre équipe merveilleuse de chantres, Intimacy Choir. Nous recevons nos nouveaux. Alléluia! On y va! Bienvenue, bienvenue, soyez les bienvenus à Vase d'Honneur.
soyez les bienvenus à Vase d'honneur. Nous vous accueillons parmi nous, heureux de te voir parmi nous. Manifeste la joie du Seigneur, soyez les bienvenus parmi nous. Alléluia. Maintenant les anciens, vous allez envoyer des petits messages pour bénir un nouveau qui est à côté de vous. On donne les bénédictions, soyez bénis. Dans ta maison, la faveur. Dans ta vie, dans tous les domaines, reçois la faveur divine. Béni, béni, béni. La grâce divine, la faveur divine est sur toi. Soyez les bienvenus à Vase d'honneur. Soyez les bienvenus à Vase. Tu es ici chez moi, tu es ici chez, tu es ici chez. Alléluia, une bonne acclamation pour nos nouveaux. Alors les nouveaux, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui suivent les cultes pour la première fois et ceux qui aujourd'hui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus. Vous allez voir maintenant sur l'écran apparaître un lien, un numéro WhatsApp auquel vous devez envoyer un texte WhatsApp et vous serez en même temps reçu dans un programme avec des pasteurs qui vont vous recevoir et ou bien vous scannez le scan qui est là, le code QR qui est sur l'écran, vous le scannez et vous allez enchaîner dans ce programme d'intégration. Amen. Où on va prier avec vous, on va vous intégrer à l'église. Et dès que les cultes en présentiel seront autorisés, vous pourrez nous rejoindre physiquement pour ceux qui sont dans la zone d'Abidjan. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pourrez continuer à être membre de cette église en ligne. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus encore. Pour les nouveaux. Amen. Et maintenant, avant de te laisser, nous allons terminer par la Sainte Cène, mais je vais te bénir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à recevoir une grande bénédiction divine? Alors, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas te tenir debout, tu vas lever les mains vers le Seigneur. Et vois dans ton esprit la victoire que Dieu t'accorde. Cette semaine est une semaine où tu es divinement protégé. Je vois dans mon esprit des arbres, tout vert. Même le tronc est vert. Les feuilles sont vertes. J'ai rarement vu, je n'ai jamais vu un arbre comme ça. Mais ils sont plusieurs. Un peu comme des gousses. Plusieurs. Et en voyant cette image, l'esprit me rappelle les feuilles qui sont la guérison des nations dans le livre d'Apocalypse. Et j'entends guérison des nations. La main qui s'appesantissait sur les nations a été levée. Et le mal qui a frappé les peuples va disparaître comme il est venu. Ce mal a déjoué les pronostics humains parce qu'il n'est pas d'origine naturelle. Il est d'origine invisible. Il est d'origine surnaturelle. Hommes de la terre, vous qui vous dites puissants, vous avez vu qu'il existe un grand Dieu qui a créé la science que vous avez pris comme divinité. Vous avez adoré la science que Dieu a créée. Vous avez découvert des lois qu'il a placées dans la nature et vous en avez fait vos dieux. Vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Vous avez cru que les lois que vous avez découvertes étaient celles qui régissaient l'univers. Et vous avez oublié que si cette horloge fonctionne si bien, c'est parce qu'il y a un horloger. Aucune horloge ne peut être construite d'elle-même. Il y a le Dieu. Vous avez méprisé Dieu. Vous avez adoré votre argent. En quelques mois, moi Dieu, j'ai anéanti vos projets. J'ai bloqué toutes vos planifications à cause de choses invisibles. Moi Dieu, j'ai déjoué vos pronostics. J'ai déjoué vos annonces. Là où vous avez annoncé malheur, je n'ai pas apporté le malheur. Pour dire que vos prévisions
votre science a une limite. Là où vous avez fait des projets financiers, j'ai arrêté vos projets financiers. Là où vous avez planifié des déplacements, des voyages, des activités de réjouissance, j'ai fait cesser vos fêtes en un jour, en une nuit. J'ai fait cesser vos réjouissances en un jour, en une nuit, afin que vous appreniez l'humilité. Voici, dit Dieu, j'ai décidé de lever ma main. Je lève ma main et l'ange de destruction qui frappait la terre lève sa main maintenant. Vous allez commencer à aller mieux et le mal va disparaître comme il est venu. Ayez la crainte de mon nom et détournez-vous de votre orgueil. Détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous de la vanité. Église de Dieu, hommes et femmes de Dieu, vous qui avez adoré l'argent, qui avez prêché pour la gloire de ce monde, détournez-vous de votre mauvaise voie et prêchez et parlez et vivez ma parole. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Bien plus vite que vous ne le pensez et ne l'imaginez. L'heure vient où le jugement, dit Dieu, commence par ma maison. Par ma maison. Déjà, il a commencé et il va s'amplifier. Heureux sont ceux qui saisiront cette occasion pour se revenir et pour s'attacher à moi, dit Dieu. Voici les feuilles qui poussent, c'est la guérison des nations. Mais repentez-vous, humiliez-vous, humiliez-vous. Dans cette semaine, la guérison est votre partage. Je prophétise, je bénis ta vie, mon frère et ma soeur. Que la faveur divine soit avec toi. Que la protection divine soit avec toi. Que les balises que je vois dans mon esprit protègent ta gauche et ta droite. Et qu'elles te gardent sur le chemin qui te mène à la vie. Dans les choix, dans les décisions, cette semaine tu es divinement inspiré. Dans la protection, tu es divinement protégé. La grâce divine est ton partage. Tu es vraiment béni au nom de Jésus. Pendant que tu ouvres tes mains, reçois ce transfert divin surnaturel. Quand j'ai entendu le témoignage de cette sœur qui a reçu les 15 millions, j'ai eu de compte de mon esprit, Dieu fait encore des transferts divins surnaturels et cela est ton partage au nom de Jésus. Cette sœur est surprise. C'est vrai, c'est son entreprise qui lui a fait un rappel de beaucoup de choses. Mais elle ne s'y attendait pas du tout, ce n'était pas prévu et loin d'imaginer un tel montant. Mais c'est comme si les gens se sont souvenus de beaucoup de choses, plus qu'elle-même se souvenait. Et ils ont apporté de quoi pour cela. Toi aussi, Dieu le fait. C'est-à-dire des choses que toi-même, tu ne calculais plus, des choses auxquelles tu ne t'y attendais pas. Dieu les ramène à la surface et tu es restauré, tu es rémunéré. Tel sera le cas de nombreuses personnes au milieu de nous. C'est une semaine de grands rappels et de grands souvenirs divins. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit avec vous et rendez-vous demain au culte du dimanche. Amen, à partir de 9h. Mais ne quittez pas là, ne quittez pas. Le culte est scellé par le repas du Seigneur. Alléluia. Et je vais inviter donc le pasteur Thierry qui va nous conduire dans le repas du Seigneur. Que Dieu vous garde. Bonne soirée. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce merveilleux, magnifique culte et pour toutes ces grâces et ces bénédictions que le Seigneur a déployées pour nous. Alléluia. Alors, nous allons passer au moment de la Sainte Cène, et avant ça, encore une bonne nouvelle pour les familles d'honneur, donc les rassemblements, les cultes. Hein, les rassemblements pour les cultes vont reprendre dans les familles d'honneur à partir donc du dimanche 24 mai. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a aujourd'hui parlé du sang de Jésus. Et Jésus a dit que celui qui mange sa chair et boit son sang, celui-là a la vie. Alléluia. Ce qu'on mange impacte nos vies et l'impact est encore plus grand quand on mange quelque chose d'aussi puissant que le corps de notre Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu et bénir son nom. Père, nous te bénissons d'avoir donné ton Fils et à la croix d'avoir donné Jésus qui a livré sa vie pour nous, qui a fait couler son sang et qui a donné sa chair, qui a donné son corps. Et ce soir, nous faisons en mémoire de lui cette sainte cène. Nous prenons ce repas et nous recevons dans nos corps la vie de Jésus. Nous buvons ce sang et nous recevons dans nos corps la vie de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vie qui nous envahit au nom de Jésus. Amen. Donc ensemble, prenons le corps de notre Seigneur. Mangeons la chair de notre Seigneur. Thank you.
Alléluia. Et notre Seigneur lui-même a présenté son sang comme le sang d'une alliance nouvelle. Et le pasteur nous le signifiait tout à l'heure. C'est un lien nouveau. Nous sommes désormais liés à Jésus par son sang. Et tous les anciens liens n'ont sur nous plus aucune influence. Nous appartenons à Christ et nous prenons ce sang-là comme la marque de Jésus sur nos vies. Et pour dire que désormais nous sommes intouchables parce que Christ nous garde par son sang. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Excellent samedi, que Dieu nous bénisse.